Ouais, fait vraiment du bien cette victoire parce qu'on la cherchait. On est parti la chercher. Il nous fallait des points parce qu'on avait un peu mal commencé le championnat. Et franchement, ça a fait du bien et j'espère qu'on va chercher d'autres victoires aussi. Oui, on est bien rentré dans le match et ensuite on a un peu baissé le rythme en revenant de la deuxième mi-temps. On a su rester solide derrière et à mettre le troisième but pour nous mettre bien. Je m'y attendais pas, on va dire, mais j'ai suivi l'action en fait. Et comme par hasard, elle tombe devant moi et bah j'ai eu cette malice de faire le petit crochet et la mettre au fond. Ah si, j'ai un peu eu peur, après j'ai serré le poing, ça allait. Ouais, franchement, c'était une bonne semaine, j'ai appris. C'était une bonne première, on va dire, et j'espère je vais encore pouvoir y aller et pouvoir aussi marquer des buts en championnat. Ouais, c'est une victoire, elle fait pas mal de bien parce que voilà, il fallait ses points. On n'avait que 5 points, là maintenant on en a 8, maintenant on peut regarder un peu plus vers l'avant. Je trouve qu'aujourd'hui l'équipe elle a fait un bon match. Je trouve qu'on a été je trouve qu'on a été assez courant, on a vu une belle équipe et ça te fait plaisir et c'est de bonne augure pour la suite. La première mi-temps, je trouve qu'elle était assez complète. Maintenant la deuxième, ça arrivait à rester plus en bloc. Pas concéder le but qui va nous mettre en danger. Heureusement qu'on met le troisième, ça c'est super. C'est sur ça que je pense qu'il faudrait progresser. Après aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup balancé parce que on avait vu aussi que l'équipe de Brest était une équipe qui pressait beaucoup. Donc il va falloir s'adapter aux équipes, mettre un peu plus un jeu en place, mettre le pied sur le ballon. Je pense que c'est ça aussi. J'avais à cœur de faire un bon match déjà parce que bon, déjà pour l'équipe, pour prendre les points. Et après c'était surtout par rapport à mon ancienne équipe aussi, j'avais à cœur de faire un bon match. Maintenant voilà, le contrat il est rempli, on a gagné, donc c'est bien. C'est ça, c'est encore pareil, c'est les deux mêmes. Pareil que Brest, il va falloir avoir l'envie, la même détermination pour aller chercher des points à l'extérieur. Voilà, on sait ce qu'on sait faire à domicile maintenant, savoir ce qu'on va faire à l'extérieur. Rester soudé, c'est le plus important. Ouais, énormément de bien en plus. Je pense qu'on a fait un très bon match, on a fait une très bonne première mi-temps. Voilà, on mène 2-0 à la mi-temps, ça nous fait du bien. On est vraiment bien rentré dans le match. Et après en deuxième mi-temps, je pense qu'on a commencé à reculer un petit peu. On a pris ce but qui nous a fait douter un petit peu. Et heureusement, je pense qu'on marque le troisième but. Mais dans l'ensemble, on a fait de très bonnes choses. Donc il faut continuer comme ça. Ouais, bien sûr, il faut travailler ça, faire les deux mi-temps pareil. Donc voilà, c'est à nous de travailler ça à l'entraînement pour justement faire un match complet et pas se faire des frayeurs comme ça durant les matchs. Non, franchement, très bien. Justement, c'est une grande marque de confiance du coach et du club de démarrer comme ça. Donc moi justement ça me met en confiance et j'essaye de justement rendre toute cette confiance sur le terrain. En tout cas je me suis bien senti et voilà, je vais travailler encore pour faire mieux parce que comme je l'ai dit, voilà, c'est vraiment le club parfait pour moi et je m'y sens très bien. En plus le groupe est super, donc c'est parfait. Mais voilà, il faut bonifier cette victoire et il faut aller faire un gros match là-bas et continuer justement pour faire une série parce que ça va nous faire énormément de bien, mais en tout cas, l'état d'esprit est là et il faut continuer comme ça.